Abundant Grace International School, we are located right in Obuasi, precisely Bidim. The school has a number of facilities that aid in learning. We have qualified and trained teachers who are ready and willing to assist the children. The school has many facilities such as the ICT laboratory. We also have a science laboratory. We also have a library. The school has a number of buses which convey the children from their various destinations to the school premises. We have the football team, we have the drama group, we have a lot, and the school is based on the Christian principles. For more inquiries, you can call this number 0541-310-901, 0541-670-772. Abundant Grace, in God we trust. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici à AGPSTV. Je suis Azuma Menouf, un professeur de français à AGPS. Nous sommes toujours à la résolution de la compréhension. Comment résoudre les questions concernant le BPC ou le CPD. Bien ici. Comme ceci. Pour voir la technique, il faut me suivre. Mais avant de commencer, mes chers amis, dans toute chose, il faut une petite prière. Sans Dieu, on ne peut y rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous allons prier. Prions, je prends de la prière de Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que Jean a prié? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Voyons, prions, chers amis. Chers collègues, mes enfants, les adultes, tout le monde, dans le monde entier, prions. Il a dit ceci, il a prié ceci en disant, notre Père qui est aux cieux. Il a aussi dit de Jean maintenant, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans tout ce monde entier, pour faire quelque chose, il faut Dieu. C'est Dieu qui sauve. Le Seigneur qui sauve. Personne ne peut pas nous sauver. Mais c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu. C'est pourquoi nous avons prié de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la terre, tout le monde a besoin de la vie. Tout le monde a besoin de la vie éternelle. Vous voyez? Tout le monde a besoin de la vie éternelle pour voir Dieu, pour communiquer avec Dieu. Il faut être saint. Il faut être saint. Il faut obéir les lois de Dieu. Vous comprenez? Et comme ceci, le français aussi c'est facile. Et c'est très intéressant. Quand vous savez comment parler et vous comprenez, c'est très facile. Mais en faisant ça, pour commencer la compréhension, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes chers amis, abonnez-vous. C'est gratuit. Puis appuyez ou appuyez la cloche dans le coin, c'est gratuit. Partager, c'est gratuit. Merci beaucoup de vous abonner, de vous appuyer sur la cloche et de vous partager. Merci en avant. Merci en avant. Maintenant, la compréhension du texte. Comprehension. Nous allons lire un petit passage. Nous avons un petit passage, le passage de la compréhension. Qu'est-ce qu'il dit? Read the passage below carefully and answer the questions that follow. Vous voyez? That follow. Qu'est-ce qu'on peut dire en français? Lisez et comprendre. Lisez et répondre. C'est tout. Maintenant, je vais lire la compréhension. Qu'est-ce que la compréhension dit?
la compréhension à propos de certains et quelques familles. Il semblait que quelqu'un ou quelqu'une était malade à l'absence de son père. Sa maman aussi n'a pas assez d'argent pour acheter des comprimés pour la personne qui est tombée malade, mais par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit toutes choses, il faut Dieu. Toutes choses, il faut Dieu en avant. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, comme ils ont prié, et Dieu aussi les a donné une aide. Quelqu'un est venu brusquement pour les aider. Et celui qui, ou celle qui était malade, maintenant la maladie est disparue complètement. Que faisons? Maintenant, je vais lire. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, écoutez, et nous allons lire ensemble. Maintenant, je vais lire. Aujourd'hui, Kwame n'est pas content. Kwame n'est pas content. What does it mean? Ça veut dire quoi? Que cela veut dire Kwame, aujourd'hui, Kwame n'est pas content. The content there is an adjective. Kwame, today, Kwame is not happy. That's the meaning en anglais. Vous voyez, non? Pourquoi il n'est pas content? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pourquoi il n'est pas content. Mais maintenant, lisons. Aujourd'hui, Kwame n'est pas content. Sa petite sœur, Yah, est malade depuis 2 semaines. Sa petite sœur, Yah, est malade depuis 2 semaines. 2 semaines. Semaine, c'est quoi en anglais? What is semaine? And 2 semaines. What does it mean? Sa petite sœur, Yah, est malade depuis 2 semaines. Vous voyez, non? 2 semaines means 2 weeks. Depuis, since. So, depuis 2 semaines. Since 2 days. 2 weeks. Since 2 weeks. Or 2 weeks ago. C'est ça qui veut dire quoi? Depuis 2 semaines. Le médecin dit que Yah doit prendre 20 comprimés pendant 10 jours. Le médecin, who is médecin? Médecin is a medical doctor. C'est ce qu'on veut dire, médecin. But when you see this word, le médecin, English, if you don't know, you may think it is what? Medicine. Drug. But here, it's not the case. Ça, c'est le médecin. Nous avons le docteur, tout va, non? Et nous avons aussi le médecin. Dit que Yah doit prendre 20 comprimés pendant 10 jours. Combien de jours? 10 jours. Et c'est combien de comprimés? 20 comprimés. Vous voyez, comme ceci. Ce n'est pas facile. Donc, prions à Dieu pour qu'il nous donne la bonne santé et la paix. C'est ce qu'il nous faut sur cette terre. On ne peut rien sans Dieu. Lisons. Papa est en congé en France et maman n'a plus d'argent pour acheter des médicaments. Daddy went to France on holidays, leaving mommy and the children in the house. Donc, la femme n'a pas d'argent. Mommy is not having money. Unfortunately, Yah est malade. Yah is sick. Vous voyez, c'est difficile. Quand le père n'est pas là, le père est la tête de la famille. Il est absent. En son absence, maintenant, vous voyez le cas. Il y a des choses qui ne vont pas à la maison. Les choses vont mal à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sans leur prière, ils devront faire des choses, voir quelque chose très difficile dans leur vie. Mais comme ils ont prié à Dieu, c'est Dieu qui sauve son oin. Dieu sauve son oin. Vous voyez, non? Donc, il les a sauvés. C'est pourquoi ils ont vu, ou ils ont en avoir une aide à quelque part. Donc, papa est en congé en France et maman n'a plus d'argent pour acheter des médicaments. Chaque comprimé coûte 2 Ghana cedis. Chaque comprimé coûte 2 Ghana cedis. Vous voyez, non? 20 tablettes. 20 tablettes. And each one costs 2 Ghana cedis.
Vous voyez, 20 comprimés. 20 comprimés. Et chaque comprimé coûte 2 Ghana cedis. Ce n'est pas facile. Commençons. Allons-y. Après les cours, after the classes, after the lesson, Kwame rentre vite chez lui. Kwame rentre vite chez lui. Pourquoi il rentre vite chez lui? Il rentre vite chez lui parce que sa soeur est malade. Quand il est allé à l'école même, il ne se sent pas bien parce que sa soeur est malade. C'est pourquoi quand la cloche sonne pour la clôture, il rush vite. Il se précipite pour aller à la maison. Ya est toujours malade. Vous voyez, elle est toujours malade. She is still sick. Always. Elle est toujours malade. Soudain, suddenly, on frappe à la porte. Someone knocked the door. When they were there contemplating, ils pensaient par où passer pour acheter, to buy this medicine, to buy these drugs. It wasn't easy. But suddenly, quelqu'un frappe à la porte. Kwame va voir. Kwame run to the door. He run to the door. Il a couru pour voir qui est-ce qui tape la porte ou qui est-ce qui frappe la porte. Vous voyez? Maintenant, voyons, c'est tonton. Wow! It is tonton. Le frère de maman, mommy's brother, qui est tonton, qui travaille au Japon. Who works at Japan. You see, when they were there, no money to buy the drug. No money. Suddenly, someone came and knocked the door and Kwame went. It was his uncle, tonton. Who do I know? Kwame saut a dance de joie. He started jubilating. He started jumping here and there, dancing, singing with joy. Parce qu'il a vu tonton. Tonton va les sauver. Comme le Seigneur sauve. Ça, c'est bien. C'est une bonne histoire ici à tout le monde d'apprendre. Tonton va voir Ya. Tonton va voir Ya. Uncle went and saw Ya. He went to Ya. Mais il paraît que Ya va déjà mieux. It seemed Ya was feeling better. The one who was sick. She was seriously sick. Severely sick. But as soon as she saw the uncle, she started recovering little by little. Quand elle voit tonton, elle commence à sourire. When she saw uncle or tonton, she started smiling. She started smiling. Elle n'a plus de frère, elle n'a plus de fièvre. Pardon, elle n'a plus de fièvre. Vous voyez, quand elle a vu tonton, maintenant la maladie commence à disparaître. La maladie commence à disparaître. Maintenant elle commence à lire, à rire. Elle est contente, elle est très heureuse, elle est ravie, avec de joie. Mais quand tonton n'est pas encore arrivé, elle n'était pas contente. Elle était sur le lit en pleurant. Maintenant, à la présence de son oncle, tonton, elle est maintenant en bon état. Elle est en bon état. Elle est guérie. La guérison commence à poursuivre. Vous voyez, non? C'est quelle chance? Quelle chance? What a chance? What a chance? Quelle chance? Vous voyez, non? C'est pas la chance que leur oncle est venu là-bas. Sans leur oncle, elle devrait mourir. Mais nous allons voir les questions. Comment répondre les questions à propos de la compréhension? We are going to answer the questions based on the comprehension. Based on the comprehension.
Nous allons reprendre la question concernant de la compréhension ou bien du passage. Maintenant, nous avons la question numéro 1. Question number 1. Question number 1. Pourquoi, quand on avait lu, pourquoi Kwame est-il heureux aujourd'hui? Pourquoi Kwame est-il heureux? Why was Kwame happy? Aujourd'hui, parce que sa petite sœur Ya est Dash. Sa petite sœur Ya Dash est malheureuse, ne va pas bien, n'a pas d'argent, est en congé. Il est malheureux parce que sa petite sœur Ya est malade. Donc la question est B. 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 So, B, c'est quoi? Ne va pas bien. Ya ne va pas bien. B. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Donc, c'est cela veut dire. Elle ne va pas bien. C'est pourquoi son petit frère ou bien son grand frère, Kwame, n'est pas content. Il est malheureux. Malheureux. Question numéro 22. Question numéro 22. Il y a un malade depuis. Since when was she sick? When was that? When was that? Ya est malade depuis combien de jours? On a dit, concernant de la compréhension du passage, on a dit 2 semaines. Une semaine fait 7 jours. Il y a 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qui fait quoi? 7. Mais ici, on a dit 2 semaines. Et de 2 semaines, ici, est 14 jours. 14 jours. 14 jours. Donc la réponse 22 est D. 14 jours. Donc ici, 22, la question 22, c'est D, 14 jours. D, 14 jours. D, 14 jours. Question numéro 23. 23. 23. Que fait le père de Kwame en France? What does Kwame's father do in France? Qu'est-ce qu'il fait en France? Il va voir le médecin. Il est en vacances. Il achète des médicaments. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Or, il fait des courses. Concernant vous. Or, compte tenu de la compréhension du passage dont on a lu. Or, dont nous avons lu. Nous avons lu. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend? On prend, il est en congé ou bien il est en vacances. Quand tenu des choses, on peut en avoir les congés ou bien les vacances. Les vacances, ça dure que les congés. Vacances, ça prend beaucoup de durée. Mais les congés, c'est court. Voilà. Donc ici, la question numéro 23. Que fait le père de Kwame en France? Il est en vacances. B. Il est en vacances. B. Il est en vacances.
Il est en vacances. Question numéro 23. B. Il est en vacances. Est-ce que vous avez compris? B. Il est en vacances. Question number 24. Question numéro. Maintenant, 24. Question 24. Question numéro 24. Commençons. Ou bien continuons. Combien coûtent les 20 comprimés? Nous avons 20 Ghana cedis. That is A. B. Nous avons 30 Ghana cedis. C. Nous avons 40 Ghana cedis. D. Nous avons 50 Ghana cedis. Compte tenu de la compréhension, on ne répond pas les questions au hasard. On ne répond pas les questions au hasard. Lisez, comprenez-vous, et avant de choisir les réponses, ou avant de répondre les questions, il faut lire la compréhension néanmoins trois fois avant de répondre, avant de résoudre. Maintenant ici, c'est combien? Si vous avez bien lu la compréhension du texte, ce serait quoi? C. Ce serait C. 40 Ghana cedis. Question numéro 24. C. 40 Ghana cedis. C. 40 Ghana cedis. Vous voyez, question numéro 25. Qu'est-ce qu'on dit ici? Après le cours, Kwame va after classes, or when it is closing time, when the bell goes on for closing, what did he do? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Kwame fait? Est-ce qu'il va dans la brousse? Il va au marché? Il va au champ? Il va à l'hôpital, il va à la pharmacie, ou bien où? Ou bien il va chez tonton. Tonton qui vient d'arriver. Comment est-ce qu'il peut aller chez lui? Mais néanmoins, tonton est venu chez eux. Vous voyez, non? Donc, après le cours, Kwame va à la maison. Donc, il va à la maison. Il y a A, mais là, A est omis. Ici, il y a A, mais A est omis. Donc, pardonne-moi, A est omis ici. En écrivant la réponse, je vais écrire ça au tableau pour vous. Donc, ici, après le cours, Kwame va à la maison. C. Question numéro 25. C'est à la maison. À la maison. Question number 26. On frappe la porte veut dire que on frappe la porte. Someone knock the door means on frappe la porte veut dire que. On frappe la porte, veut dire que personne, no one, maman, mommy, quelqu'un, someone, papa, daddy. So, quand ils étaient à la maison, il y avait de silence. Quand il n'y avait personne qui a venu frapper la porte était comme ça, était là. Mais quand leur tonton est venu, oncle est venu frapper la porte. Ça veut dire il y a quelqu'un. Ce n'est pas un animal. Quelqu'un. Donc ici, je prends la question numéro 26. La réponse est C. Quelqu'un. Question 26. La réponse est C. Quelqu'un.
Donc, question numéro 26. Question numéro 26. Nous avons C'est quelqu'un. Et quelqu'un means someone. Quelqu'un. Someone. Question numéro 27. Nous avons ici. Question numéro 27. 27. Ici, suivant. C'est. Ici, il suffit de comprendre. Il suffit de comprendre. C'est pourquoi on a dit la compréhension du texte. Il suffit de comprendre. Si vous ne comprenez pas, ce serait difficile à vous de répondre. Voyons. Si vous ne lisez pas et si vous ne comprenez pas, ce serait difficile de répondre. Mais si vous comprenez, c'est facile à répondre. Et ceci est très facile. C'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Les questions sont préparées compte tenu de vous-même, compte tenu de vos âges, compte tenu de vos notions. Ici, ce n'est pas très difficile. C'est très moyen pour vous, pour tout le monde. À qui est-ce qui est intéressé? Bien, question numéro 27. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est dash, des enfants qui arrivent. C'est dash, des enfants qui arrivent. Who came to the children? Who arrived? Who arrived? Qui? Est-ce que c'est le frère? C'est tonton. Vous voyez, tonton ici, c'est la même chose que l'oncle. Mon oncle. Mon tonton. Oh, tonton. C'est mon oncle. Vous voyez, non? Ce sont les synonymes. Nous avons le père et l'ami. Vous voyez? Donc, vous avez, si vous comprenez bien le français, le tonton veut dire l'oncle. Donc, question numéro 27 ici est B. Question numéro 27 est B, l'oncle. Vous voyez? La question 27, c'est B, l'oncle. B. L'oncle. L'oncle veut dire tonton. Vous voyez, non? B, qui est l'oncle. Maintenant, question 28. Question 28. Question numéro 28. 28. Question numéro 28. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quoi? Kwame. Et. Kwame and the verb. Il y a un verbe qui est ici. Quand tonton arrive. Vous voyez, on a répété le tonton. Beaucoup. Maintenant ici. Kwame est dash. Quand tonton arrive. En anglais, on peut dire uncle, when uncle arrived. Quand, when. Arrive, arrive. Le verbe est arriver, to arrive. Mais ici, c'est déjà conjugué. Ici, le verbe est déjà conjugué. C'est pourquoi nous avons arrive. Comment Kwame était fâché? Was Kwame angry? Was he also sick? Was he happy? Or was he enjoying? Was Kwame enjoying? He was enjoying? Or what? Qu'est-ce qu'il faisait? Or he was making noise? Vous voyez, non? Ici, des trois réponses. Il y a les trois réponses ici qui ne font pas partie de la compréhension, mais une réponse qui serait complétée ici, quand en complétant,
Si vous complétez avec les bonnes réponses, vous aurez que la phrase ou le sens de la phrase serait compréhensible. Serait très, très compréhensible. Mais quand vous choisissez les faux réponses et vous mettez, vous n'aurez pas de bonnes réponses. C'est la sens ou le sens de la phrase. Le sens de la phrase serait autre chose. Donc, essayez-vous de mettre les bonnes réponses. Essayez-vous de compléter les phrases avec les bonnes réponses. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Kwame est d'âge quand ton temps arrive. Kwame est content. Kwame was happy when he saw ton temps. Vous voyez, non? Donc, ici, question numéro 8, 28. Question 28, la réponse est C, content. Question 28, C, content. C, content. Si Kwame était une fille, ce serait contente. C'est un adjectif. Content ici, c'est un adjectif masculin, singulier. Un adjectif masculin, singulier. Si c'était une fille, ça devrait être contente. Ça devrait être contente. Donc, continuons. Nous avons question numéro 29. Question 29. Suivant. Je me rappelle bien que beaucoup de monde, beaucoup des apprenants, beaucoup sur l'internet, vous suivez ce qui se passe. Vous suivez ce qui se passe ici à AGPS TV. AGPS TV. Vous voyez, non? Ici, c'est très, très, très bon en apprenant. Nous apprenons beaucoup de matières. Nous apprenons l'anglais, la science, la physique, beaucoup, la mathématique, la religion, beaucoup de... Nous avons l'informatique qu'on appelle ICT. Nous avons beaucoup de matières qu'on apprend ici. Donc, chers amis, essayez-vous. Auparavant que j'ai dit, abonnez, sonnez la cloche. Et tout c'est gratuit. Sur la question numéro 29. La question 29, à la fin de l'histoire, il semble que n'est pas contente. Est-ce que c'est ça? N'est plus malade. Est-ce que c'est ça? N'est pas en vacances. Est-ce que c'est ça? Or au lit. So at the end of the story, comment? How was Ya when she saw uncle? Ya n'est plus malade. 29A. Ici c'est A. Na A. N'est plus malade. N'est plus malade. Elle n'est plus malade. Pourquoi? Question numéro 30. Pourquoi maintenant ici? Vous voyez? C'est très, 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 très contente. Vous voyez, non? Maintenant ici, qu'est-ce qu'on dit? Le meilleur titre pour cette histoire. The best title of this comprehension or passage is what? We have to give a title because we say comprehension. What kind of comprehension? There's no heading. But now we are going to find the heading of this comprehension. The comprehension is talking about what? So as soon as you see the heading, you understand everything. Quand vous voyez le sujet ou bien le titre du passage, vous allez comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le meilleur titre pour cette histoire est un jour de congé. Un père heureux
une bonne surprise ou bien une fille courageuse. Ici, c'est quoi? Une bonne surprise. C'est une bonne surprise. 30. Une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Une bonne surprise. Donc, chers amis, nous allons... c'est la fin de la compréhension. C'est la fin de l'histoire. Et c'est la fin de notre leçon du jour. Je me nomme Azuma, un professeur de français de AGPS TV. Si vous voulez apprendre français, vous pouvez nous appeler ou bien poser de votre commentaire. Nous apprenons beaucoup de matière ici. Nous apprenons beaucoup de matière ici. Merci de vous. Abonnez-vous. Pointez sur la cloche dans le coin. Et aussi, partagez. En partageant, tout est gratuit. Partagez gratuit. Appuyez sur la cloche gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Au revoir et au revoir et à bientôt. Merci dans le monde entier. Merci, merci. Au revoir et au revoir. Au revoir. Abundant Grace International School, we are located right in Obuasi, precisely BDM. The school has a number of facilities that aid in learning. We have qualified and trained teachers who are ready and willing to assist the children. The school has many facilities such as the ICT laboratory. We also have a science laboratory. We also have a library. The school has a number of buses which convey the children from their various destinations to the school premises. We have the football team, we have the drama group, we have a lot, and the school is based on the Christian principles. For more inquiries, you can call this number 0541-310-901, 0541-670-772. Abundant Grace, in God we trust.